Frédéric François face à une situation délicate. Son fils est en couple avec une femme de 30 ans, sa cadette. Comme le révèle France Dimanche ce vendredi 7 juin, Frédéric François a bien du mal à accepter la nouvelle compagne de son fils, Anthony. Ce dernier a connu une existence peu paisible et l'écart d'âge avec sa bien-aimée semble créer un certain malaise. Les problèmes s'accumulent pour Frédéric François ces derniers mois et visiblement, le chanteur n'est pas au bout de ses peines. Il y a plusieurs mois de cela, elle interprète de l'amour à l'italienne s'est fait une double fracture au niveau de l'épaule. De gros soucis de santé pour l'artiste de 74 ans, qui garde malgré tout le moral. J'ai une soixantaine de séances de kiné. Il faudra du temps pour récupérer tous les mouvements, peut-être un an. Au début c'était embêtant et, oui, ça fait encore mal, mais j'arrive à ouvrir une bouteille, plaisante-t-il, dans une interview accordée au magazine Nous Deux, le 3 juin dernier. Frédéric François, assigné au Prud'homme par un fan l'an dernier, se remet doucement de cette lourde chute dans la rue au mois de février dernier, mais ce n'est pas le seul coup dur qu'il a eu à affronter. Le père de 4 enfants, Gloria, 3 ans, Vincent, 52 ans, Anthony, 48 ans, et Victoria, 34 ans, a eu la douleur de perdre son ancien manager, Moïse Benita, âgé de 91 ans et décédé le 13 mai dernier. Mais ce ne sont pas les seuls problèmes auxquels Francesco Baracato, de son vrai nom, est confronté à l'heure actuelle. D'après les informations publiées par France Dimanche dans son édition du 7 juin, son fils Anthony a encore fait des siennes. Il faut dire que le quadragénaire en a déjà fait voir des vertes et des pas mûres à son paternel par le passé. Anthony en couple avec une femme plus jeune que sa propre fille. Après une rupture très difficile en 2015, Anthony avait sombré dans une profonde dépression, se réfugiant dans la drogue et l'alcool, mais ce n'est pas tout. Le fils du chanteur, qui vend sa luxueuse villa située à Antibes, avait eu un comportement violent envers son ancienne épouse, allant jusqu'à la harceler au téléphone et à son travail. D'après les informations de nos confrères, l'homme de 48 ans a réussi à retrouver l'amour avec une très jeune femme de 19 ans et visiblement, la très grande différence d'âge entre eux, plus de 30 ans, n'a pas l'air de ravir Frédéric François et sa femme, Monique, à ses côtés depuis plus de 50 ans. Une situation atypique qui a tout l'air de créer le malaise dans les réunions dominicales tant appréciées par le patriarche, comme l'écrit la journaliste de France Dimanche, qui rappelle que la jeune femme de 19 ans est également plus jeune que Nina, la propre fille d'Anthony. Un état de fait visiblement pas simple à accepter pour Frédéric François et ses proches, loin de comprendre le choix d'Anthony de se mettre en couple avec une jeune femme à peine majeure.